Argentine non extraordinaire et réaliser cette finale sous 10 dernières années ça là c'est pas quand même un bagage petit. Donc Argentine pour réaliser un triplé historique, c'est toutes les fois que les champions contre équipe Colombie. Mais moi même dans ça me garder me senti que équipe Argentine non est capable de danger. Si on regarde les compétitions même, ça qui fait dans compétition hein. L'équipe argentine est capable de danger. Parce que Colombie, que l'on veut ou non, c'est la meilleure équipe en la compétition. Voilà. Colombie, elle quand même joué un plus gros adversaire qui équipe argentine. Non? Argentine est capable de dire que c'est le plus gros match que le Brésil joue là dans la finale. Et l'on regarde l'équipe Colombie, ça, c'est une équipe qui a grandi. C'est une équipe qui sous une belle série. Qui part qu'on est défaite depuis plusieurs mois, qui gagne environ 30 matchs, 28 matchs, 5 qu'il pas perdu. C'est un bagage extraordinaire. Amès Oligues, qui est un meilleur joueur tournoi, capable de causer problème avec l'équipe argentine. Mais Argentine est toujours été favori parce que Ligue 1 Messi, Ligue 1 des joueurs extraordinaires, Ligue 1 des joueurs de qualité à travers toutes les lignes, que ce soit en défense, au milieu et en attaque. Donc, Argentine a toujours été favori. Mais, Colombie est capable de créer la sensation. On a appris que Colombie, depuis 2001, n'a pas gagné compétition ça. C'est mon seule édition que Colombie lui-même a gagné, c'était 2001. Donc, Colombie. Il pourra mettre tout poids dans la balance là. Il pourra jouer match vio pour essayer de remporter donc pour la deuxième fois Copa América. Donc Messi sur route pour venir la joueur qui plus titré dans l'histoire football là comme il était déjà ça mais là encore mettez ballon très très haut comme joueur qui dominait. En termes de titres remportés, que ce soit individuel, que ce soit collectif, eh bien Messi c'est un monstre. Donc seulement penser à 8 ballons d'or, 8 fois ballon d'or, c'est quand même extraordinaire. 5 fois ballon d'or c'était déjà extraordinaire, 8 fois ballon d'or c'est quand même plus. Eh bien Messi qui saute là pour réaliser un bagage vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, rendez-vous à Cassé. Dimanche, victoire Argentine. Poil historique. C'est pour la première fois qu'il y a une sélection sud-américaine pour arriver à faire exploit ça. On a rappelé Espagne même l'été fait. 2008, 2010, 2012. C'est dans la zone Europe là. Mais pas de gain, il y a une sélection américaine. Il y a une sélection dans la zone américaine qui lui-même a réalisé exploit ça. Donc, on a prétendu pour nous, est-ce que. Ça lui-même, il pourra le faire avec la sélection argentine de football. Argentine de Lionel Messi.